Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'ai faim, grâce. Alors, aujourd'hui, je vous ramène dans ma cuisine et je vais faire la petite rénovation sur les murs de ma cuisine. Donc, je suis en point de m'organiser. La couleur, elle est bonne, mais ça m'attirait pas vraiment. J'avais juste mis en attendant parce que quand je l'ai acheté, je me disais c'est beau et tout, mais quand ça arrive sur place, tu regardes aussi les choses qui se trouvent dans la maison, ça va pas du tout. Et ma cuisine, c'est une cuisine des airs ouverts, donc salon, cuisine et salle à manger, et tout est ouvert, donc il n'y a pas la séparation. Donc je me suis dit non, ça n'allait pas vraiment, donc il fallait quand même des petits changements, étant donné que dans ma maison, nous sommes en train de faire des petits changements pour avoir l'équilibre dans notre maison, l'organisation que ça donne au moins dans l'ambiance, dans le mur, au lieu de mettre des clous pour positionner des affaires. Mais on a regardé plusieurs vidéos, moi et mon mari, alors on s'est dirigé que non, on peut faire des petits designs aussi. Ce genre de design aussi, j'avais vu aussi chez Vanessa Vanessa décorologique. Alors, souvent en regardant les vidéos, il y a des choses qui inspirent beaucoup. Je vous assure, quand je passe mon temps à regarder vos vidéos, du début à la fin, il y a des choses que j'apprends, je note vraiment. Ce qui est important pour moi, je les pratique dans ma maison. Donc, c'est ça. Alors, pour ne pas tarder, la vidéo de la rénovation de la maison, je vais vous le mettre bientôt, mais là, je vais passer mon temps dans ma petite cuisine, mon petit endroit préféré. Là, je fais tout. Mon plan du temps, hein? Ma cuisine, là, c'est... j'adore ma cuisine parce que j'adore préparer. Donc là, on va passer avec ça. Vous regardez ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai acheté une veau, il y en a 10 paquets dedans. Ça m'a coûté $50 chez Amazon. Donc là, je vais tout enlever. Et on va se retrouver après pour la rénovation. Restez branchés, je vous laisse suivre au rythme de la musique. Et on va se retrouver après. Et surtout, abonnez-vous massivement, likez, commentez, ainsi que partagez votre chère Fanny qui passe le temps. Malgré là, je suis en train de faire le montage, je suis à ma pause au travail. Mais je me suis dit, non, je vais quand même partager cette petite vidéo. Donc, abonnez-vous massivement pour me soutenir. J'en ai besoin de votre soutien. Après tout avoir enlevé, j'ai essuyé les murs. Après avoir essuyé les murs, je n'ai pas appliqué mes carreaux directement. Non, j'ai juste fait ça. Après avoir nettoyé, j'ai appliqué mon produit que je vous montrais tantôt, mais le nom ne me vient pas à tête. J'ai appliqué ces produits-là, on a attendu, après j'ai mis la peinture. La peinture, c'était pas la même journée, il fallait laisser le temps que ça puisse entrer bien dedans, l'effet puisse faire. Et j'ai mis la peinture, et après la peinture, j'avais mis premièrement ça.
Et après, c'était bien, toute blanche partout, ça cachait des trous que ça se voyait là. C'était bon. Après, j'ai mis la peinture, ensuite les carreaux. Comme je venais de vous dire que je filmais tellement, mais mon téléphone est très stocké, il n'y a pas d'espace. Alors, tous ces temps-là, tout ce que je faisais, je croyais que je filmais, mais ça n'entrait pas, ça ne filmait pas. Donc, problème de stockage. Alors, c'est un peu ça. Et regardez comment est-ce que ma cuisine est... Bon, je vous laisse suivre au rythme de la musique. Vous allez voir la finale après. Donc, abonnez-vous massivement. Bon, en fait, c'était pas non plus très parfaite. Vous regardez bien comme il faut. C'était pas très parfaite parce que c'est la première fois que j'ai appliqué ça, la première fois que j'ai utilisé ça. L'autre, là, c'était mon mari qui me l'avait installé. Mais lui, je me suis dit, bon, il faut quand même apprendre d'être autonome, quoi. Alors, donc, j'ai essayé, mais ils sont pas comme il faut parfait. Mais le fait, c'est moi qui ça flash comme ça. Oh, j'adore, moi. Je sais pas. Tu vois des petites remarques quand t'es proche et des petites affaires grises, il fallait que je la lève, mais j'ai pas levé parce que je ne savais pas non plus. C'est après que je me suis rendu compte, je me suis dit, bon, on va faire avec ça, même ça, en même temps, ça fait comme un petit décoration. Alors, suivez au rythme de la musique et vous allez voir comment est-ce que j'ai placé mes petits cuillères, couteaux aux alentours, comment est-ce que c'est sorti, est-ce que c'est bien sorti ou quoi. Donc, j'aime trop, j'adore vraiment ma cuisine. Alors, suivez au rythme de la musique, on se retrouve après et abonnez-vous massivement. Bon, là voici, j'ai placé mes couteaux, mes deux bouteilles d'huile et vinaigre, aussi les contenants de mes cuillères et ma petite affaire de... Oh mon Dieu, le nom m'échappe. Pour les piments. Donc, alors, c'est un peu ça. Je ne vais pas trop des affaires. Déjà, j'ai pas une grande comptoir. J'ai une petite comptoir. Donc, comme ça, ça me va parfaitement bien. Donc, cette vidéo tient sa fin. Alors, n'oublie pas de vous abonner, de liker, de commenter, ainsi que de partager. Comme on le dit toujours dans notre routine, ce qui commence bien finit très bien par la bonté de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, vous ainsi que les membres de votre famille. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!